Et nous allons passer tout de suite à demande aux amis que vous avez fait. Nous allons faire un petit rappel. Quand pile bagay moun de qu'on a parlé, nous-mêmes, nous avons une image bon pour nous montrer qui j'en bagay yote te qu'on fait. Et il y a des gens qui dit coup d'État qui était fait, et pas oublier, il y a un président Aristide qui était fin élu, et puis docteur Roger Lafontaine te voulait faire coup d'État, il fait. Et nous avons du grand pile innocent, pile monde qui était innocent dans parti dans coup d'État ça que nous pas imaginer. Mais gagner tout madame Etatouyo, c'est coup d'État ça leur était fait, il était arrêté li et Charles Lacali il descend avec dans la Cour Palais National et Jean il descend avec lui ou déjà ouais vraiment vrai gon te gagné une arrestation yo forcé le faire discours dans discours an li di yo forcé me démissionner et tout de suite li ra l'école où j'ai la fontaine faire discours mais ça pas traité te gagné soldat qui était dans palais national et qui était enfin font gens là yo met main sous monsieur yo avant même peut-être où j'ai la fontaine te monter te gagné une cérémonie vaudou qui était faite. Fondou bien. Oui, je peux comprendre. Jean, pour à l'aise, ou en train d'en parler, ou à l'aise, ou à faire cérémonie, et puis monter, ou à faire coup d'État. Et, gen zong, gen douet qui était trempé tout. Dans le moment, qui était bail tout monsieur sa yo porte pour entrer, en d'en parler ça, pour arriver, chita, parler comme ça. Bien à l'aise pour monsieur faire discours. Et je pense que c'est un moment qui n'est pas vraiment favorable pour docteur Roger Lafontaine pour le faire, Jean de Bagasse en tant que nègre savait. Et je pense qu'il était capable de penser. Il y a une belle élection comme ça. Tout ça, c'est exemple que nous portons pour Jean de Bagasse à ne pas répéter encore dans le pays d'Haïti. L'homme monde élu, respecter le quitter le fait tant, quitter le fait tant, ni. Parce que les élus, les gagnants, depuis que le pape fait des ordres, là, parce que l'on homme, c'est chef d'État, ou c'est président, tout le monde, on fait travail peuple, on fait travail pays, hein, c'est salier. On va faire travail, parti pau, et puis pour le peuple souffrir, mon a mourir, c'est pas bagarre à ça. Son job lié, c'est ça pour haïtien commencer, vous voulez comprendre le ou gagnant. Pouvoir ça dans mon ou pas gain pouvoir pour ni craser briser mais simplement mettez une ambition là caillou mettez une compétition là caillou ou bien mettez tête en polémique pour dire bon si tel pays ka tel jambe ka tel janto si moi a mouri grand goum ka fon jan pour me soulager grand goua c'est ça rôle on directeur on ka diriger rôle on président alors nous pas quitter ou prendre un petit moment pour bien garder bien tendre qui jan ça t'est passé non année côté que monsieur yo t'ai fait coup d'état en 91 était branché n'a pas tourné d'ailleurs où j'étais remarqué sur le tapis jaune de l'escalier est donnant face à la salle des bustes du palais. Nous avons appris d'un soldat qu'une cérémonie vaudouesque était organisée au palais national après l'envahissement des putschistes. Le président provisoire madame Erta Pascal Trouillot conversait avec les soldats du palais qui lui ont remis le pouvoir. La présence du général Assédius Saint-Louis était remarquée. Nous, ce n'est pas parce que nous voulons tous à la personne. Nous ne voulons pas que la population civile nous quoi que ce soit. C'est-à-dire pour nous faire ça, il faut que nous devions faire évacuer. Donc pour évacuer, il faut que nous catastrophions des coups de feu. Si vous comprenez, si vous comprenez, si vous comprenez là, 7 février, ou pas, on a baillé. C'est parce que nous ne pas comprenons pas le coup d'état et nous finissons même ici à tout nous gérer pour nous suspendre avec la République. Nous sommes président, sous président pour 5 ans, après 5 ans. Nous ne sommes pas bon après 5 ans, nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons. Nous tiens à ce que tout le monde nous ici, nous tiens à un coup d'état pour nous suspendre avec la République. Militaire dans la politique. Jamais. Madame le président. Pas de la c'est le qui pour des machines, pour des transports de l'eau. C'est notre temps, oui. Notre temps. Dans la carrière.
Mais les paramètres parmi les plus importants deviennent les plus difficiles à contrôler et rendent le gouvernement impossible à gérer. Pour le bonheur de cette terre que nous chérissons tous, j'ai été forcé de démissionner de ma fonction de président provisoire. J'ai œuvré du mieux que je pouvais et au mieux de la patrie commune. Mes remerciements à tous ceux qui ont compris ma lutte et l'ont secondé. Que Dieu nous garde. Erta Pascal Trouillot, ex-président provisoire, Palais National, le 7 janvier 1991. Merci. Peuple haïtien, face à la grave crise qui sévit au pays, face au désastre qui frappe à nos portes, et conscient de nos responsabilités en tant que leader, outré de la perfidie qui a présidé aux dernières pseudo-élections, où le pays a été humilié, bafoué par un conseil électoral apatride. Nous nous sommes associés ce soir aux forces armées et aux forces de police pour assumer le pouvoir au mieux des intérêts de la patrie commune dans le but de la conduire sur les sentiers de la démocratie véritable, c'est-à-dire sans ostracisme, sans sectarisme, sans apartheid. Aux dernières élections, un grand perdant, le peuple, un laissé pour contre, la démocratie, face à la mascarade du 16 décembre 1990, organisée par un organisme choisi au mépris des préceptes constitutionnels et qui, avec arrogance, a imposé au pays une loi électorale arbitraire, non écrite, non sanctionnée par un décret présidentiel. Nous avons décidé de laver cette souillure faite à 6 millions d'Haïtiens. En outre, le CEP et sa turiféraire ont opéré une sélection de candidats la plus arbitraire et la plus partisane de toute l'histoire nationale. Contre l'arbitraire, contre les destructeurs de la patrie, avilis, vilipendés, nous invitons tous nos compatriotes, à quelque chapelle politique qu'ils puissent appartenir, à se ressaisir, à déployer et à consentir tous les efforts, tous les sacrifices pour permettre à la nation de se retrouver. Aux pays amis qui ne nous ont jamais marchandé leur concours et qui peuvent à juste titre s'enorgueillir de faire fleurir la démocratie à travers le monde, révéler au monde entier les méfaits et le cuisant échec du communisme international,
le panacée n'est pas à l'est. Le peuple haïtien lance le cri de détresse d'un peuple de toutes les privations pour l'aider à faire face à toutes les difficultés. Et après la cinglante insulte du 16 décembre qu'on voulait faire passer pour une journée historique, nous appelons tous les fils de cette patrie, comme vient de le dire l'ex-président provisoire, Mme Etta Pascal Trouillot. Nous appelons, dis-je, tous les fils de ce pays à s'unir ensemble pour bâtir ensemble la cité nouvelle. Merci.